La nuit des étoiles, épisode 9, excitation. Tiens, tiens, on dirait qu'il y a du mouvement du côté du corbeau. Et Apollon n'est même pas là pour le voir. Imaginez, mes amis, elle sera là, devant mes yeux, et je pourrai la tenir entre mes ailes. Cette coupe dont il m'a éloigné depuis si longtemps, enfin je vais pouvoir boire son eau. Tout ça pour un verre d'eau? Je pense que notre ami Corbeau est devenu fou. C'est ridicule comme quête. On peut pas partir à la quête d'un verre d'eau. Une coupe, pas un verre. Et pas juste une coupe, la coupe. Une coupe, mais remplie d'eau. Si vous souhaitez de l'eau, vous pouvez aller boire celle de la rivière que nous avons vue tout à l'heure. Oh, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas n'importe quelle eau que l'on trouvera là-bas. C'est de l'eau que je convoite depuis bien des années. Cette eau symbolise ma vengeance envers Apollon et ma victoire face à lui. Eh ben, il est complètement taré ce corbeau. Mais c'est drôle. Je vais te suivre, on va bien rigoler. Eh bien, mon jeune ami corbeau, je n'ai pas compris un mot concernant l'objectif de votre quête. Mais j'aime bien les quêtes, alors je vous accompagnerai volontiers. C'est un drôle de petit groupe qui s'est formé ici. Ah, enfin du mouvement dans ce groupe. Alors, où est-ce que tu les emmènes, Callisto? Suivez-moi, il faut que l'on explore les alentours. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Callisto? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Il faut qu'on trouve un endroit où nous installer. Tu as raison. Oui, mais aussi, je pense que... Tu penses que quoi? Dis-le-nous! C'est juste que je ne voudrais pas te créer de faux espoirs. Maman, ne t'inquiète pas. Je peux surmonter un faux espoir après tout ce qu'il nous est arrivé. Eh bien, je me dis que si on a pu se retrouver là et pouvoir bouger par une magie étrange, on a sûrement une chance, quelque part dans ce monde, de trouver un moyen pour retrouver notre apparence humaine. Vraiment? Je n'en ai aucune certitude, mais ça doit être possible. Waouh! Ce serait génial! Je pourrais reprendre la chasse! Ce serait un honneur de vous aider dans cette quête. Je suis certain que vous y arriverez. Ou pas. Il n'y a aucun moyen que vous retrouviez votre forme humaine sans l'aide d'un dieu ayant ma puissance. Je vous souhaite un bon voyage. On a tant de choses à découvrir sur ce nouveau monde. Un tout nouveau monde à piller. À découvrir. À l'abordage, matelot. Et peut-être que nous rencontrerons de nouvelles personnes. L'envie de découvrir. C'est bien ça. Ils iront loin. L'immensité de ce lieu est magnifique. Je tremble d'envie de le survoler. Peut-être qu'il y a des trésors cachés quelque part. Et peut-être que tu rencontreras quelqu'un pour partager ta vie de chasseur solitaire, Orion. Tout est possible. Crois en l'amour. C'est la plus belle chose que tu pourras trouver. Crois-moi. Venez par là, j'ai trouvé un oasis. Cela me semble être un bon lieu pour entamer notre aventure. Bonne idée. Nous en profiterons pour faire des réserves de vivres. Ces quatre bandeurs se lancent dans une belle épopée. À demain pour Adaptation. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.